Bonjour à toutes et à tous, bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour la vengeance, oui la vengeance du assassin invisible sur Hitman Contract. Parce que rappelez-vous, j'ai eu 3 missions où je n'ai pas eu assassin invisible et j'étais dégoûté, j'étais deg. Du coup j'ai refait une première vidéo où j'ai fait assassin invisible sur Belfinger, c'est ça hein. Et j'ai réussi et du coup bah voilà, là je reprends avec la mission embuscade au Wang Fu, où vous savez, il y avait eu au moins, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cibles, ouais, 7, je sais pas compter, mais il y avait plein de cibles là-dessus, voilà. Du coup, je me suis renseigné, c'était bien un bug, c'est un bug qui a fait que la voiture ne pouvait pas partir, parce que tout ce que j'ai fait dans le let's play, normalement, la voiture devait partir, ça veut rien dire. J'étais en train d'échanger mes mots, alors là, j'attends le petit... le petit chauffeur, j'ai pas pris le costume du Wang Fu comme l'épisode voilà, de cet épisode là. Parce que je me suis dit, je vais faire comme la Solus dit. Et peut-être que si je dis que je fais comme la Solus a dit, et ben ça a peut-être marché. Alors voilà, je fais comme la Solus a dit. J'ai fait 2 essais. A savoir que sur les 2 essais, alors soit la voiture part, mais faut attendre très longtemps, mais vraiment très longtemps. Et le deuxième essai. La voiture est partie presque directement après que j'ai posé la bombe. Enfin, presque directement, quelques secondes après. Du coup, voilà. C'est selon le jeu, il veut et qui veut. Voilà. Alors, lui, je cache son corps. Normalement, il va pas mourir. Alors, j'espère qu'il va pas me faire un fail pour cet épisode. Non, j'ai eu peur. Normalement, voilà. Parce que d'habitude, des fois, quand je l'ai fait tomber ici, ben, c'est une certaine hauteur, ça les tue. Mais là, normalement, ça ne l'a pas tué. Il n'y a pas une croix d'affichée sur la carte. Voilà. Je préfère le dire au cas où. C'est pour un petit peu aussi me réconforter. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas, je vais pas vous repasser tout entier la mission, hein, parce que ceux qui ont vu le let's play, c'est bon, hein. Vous savez comment ça se passe exactement, je vais faire exactement les mêmes choses, sauf que là, bon bah, bon c'est pas un petit peu dans la même ordre, parce que la première fois, je vais... Oh putain, il s'était retourné, je sais pas pourquoi lui. Il s'était... j'avais pris le déguisement du Wang Fu, là, que le monsieur est là, et juste avant, mais vas-y, Oh là là, il va pas me bugger, voilà, quand j'enregistre quand même. Alors bon voilà, je vais vous couper les passages, hein. Là je vais prendre juste la bombe, poser la bombe, vous montrer comment je pose la bombe, même si vous l'avez déjà vu. Et après je vais attendre la voiture qu'elle parte, voilà. Alors j'y vais discretos. Voilà, on prend la bombe. Voilà, et qu'est-ce que... Dis donc, ok, c'est pas parce que je renchisse que... Ah, ils veulent pas que j'aie ma vengeance, hein. Ils la veulent pas, hein, mais je l'aurai, je l'aurai. Et aussi j'ai dit que j'allais faire Hitman Contract aussi en platine. Je vous enregistrerai parce que j'aime bien enregistrer les platines. Enfin, j'avais fait un épisode sur Dishonored à la poursuite du trophée de platine. Franchement, c'était des vidéos que j'ai adoré monter et faire. Même si c'était dur, je trouvais que c'était un challenge super bien à faire. Et voilà, alors je vais me mettre là, je vais préparer ma télécommande. Et je vais le faire sur Hitman Assassin. Contract, pardon. Contract Assassin. J'ai mélangé Silent 2 Assassin et Hitman Contract. Voilà. Le jeu de fou, quoi. Alors, je vais faire voilà, Hitman Contract le platine. Je vous enregistrerai comment j'ai le platine. Je vais pas vous faire tous les trophées, hein. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire juste les trophées où ils sont durs, ou les trophées marrants. Et vous montrer comment j'ai le trophée de platine à la fin. Voilà, comme dans Dishonored. Alors, normalement, là, ça se passe tout se passe bien. Tout se passe bien. Alors, je vais sauvegarder juste là pour moi. Ah non, c'est pas l'embuscade au Wang Fu, c'est Dézingueur en pagaille. Excusez-moi, je me suis trompé au début, j'ai dit que c'était... je fais la vengeance du Dézingueur, du l'embuscade au Wang Fu. Non, c'est Dézingueur en... Oui, c'est l'embuscade au Wang Fu. Oh là là, non, parce que c'était le truc juste avant. Parce que j'ai fait une partie juste avant pour avoir une arme. Parce que dans le platine, il faut aussi collectionner les armes. Bon, je vais pas vous passer les détails. Alors, excusez-moi, je m'embrouille tout seul. Oui, je sais, c'est pas assez. C'est Snake 53 qui s'embrouille tout seul. Il s'embrouille tout seul. Bon, voilà. Bon, alors, je vais pas vous faire passer pendant des heures à attendre que les mecs aillent dans leur voiture. Je vous retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. J'espère qu'il n'y a pas un bug, parce que celui-là, il devait partir, et c'est super long à attendre. Je suis en train de péter un câble et de chanter tout seul dans mon micro. J'espère que Snake 50-130 du futur ne fera pas ça dans le montage. Et merde. Mais j'aime pas ça. Pourquoi t'avances pas? Sinon y'a un bug.
Y'a un putain de bug. Allez, dépêche-toi et barre-toi. Re, les amis. Bon, voilà. Alors après un bug, j'ai dû relancer la mission parce qu'il voulait pas partir. Il y a un mec qui était coincé. Mais c'est bon, ça y est, ils sont partis. Voilà, ils vont passer juste devant moi. Et moi, je vais bien les faire exploser la bombe. Alors, je vais prendre ma petite télécommande. Merde, mais la petite, oui, la celle la télécommande. Voilà. Et voilà. Ouh, alors, oui, alors là, c'était magnifique. Oh oui, regardez. Regardez ce massacre. Oh, c'était magnifique. Oh, regardez, on peut admirer les corps. Regardez. Oh, je les ai bien alignés. Voilà. Alors ça, si ça c'est pas du professionnalisme, aligné tout comme il fallait. Bah voilà. Bah ça c'est. Ah bah ça c'est super ça. Ah bah oui, faut que j'aille prendre mon déguisement. Merde. Avec tout ça, j'y perds. Ah bah voilà. Enfin, c'était arrivé. Bon voilà. Après un petit bug, j'ai dû relancer la mission, mais c'est parti. Alors, à ça, voilà, c'est bon, je suis arrivé. Alors, à savoir qu'il y avait une façon. Alors, moi, j'ai trouvé une façon super simple de les tuer sans qu'ils me voient. La dernière fois, je m'étais mis là, je les avais un peu snipé au pistolet, si on peut dire. Mais en fait, dans la solution, ils disent que comme il y avait bien un bug avec eux, des fois, ils vous repèrent direct. En fait, il faut se coller au mur. Alors, j'espère que ça va passer, j'enregistrerai juste avant au pire. Voilà, il faut se coller au mur, ils vous repèrent pas. Voilà, ils vous découvrent pas. Bon, ils se mettent debout, ils vous regardent bizarrement. Mais c'est pas grave. Vous mettez bien là. Voilà, vous attendez qu'ils se tournent un peu la tête. Et normalement, il faut essayer de les désinguer, mais vite fait quoi. Alors, on va essayer de les désinguer vite fait. Tout à l'heure, j'avais réussi. On va attendre, on les aligner un petit peu. Oh! 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 Double headshot, bitch! Oh yeah! Bon, on va prendre le micro ici parce que voilà, j'aime bien voler les trucs, ça me fait des souvenirs. Oh oui! Ça, c'était magnifique! C'était magnifique! Alors là, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu. Ah, il y a du sang un peu, j'ai l'impression. Bon, bah, j'ai un petit peu sali la tapisserie, mais c'est pas grave, il y a la femme de ménage, c'est fait pour ça. Bon, bah, c'est bon, on peut s'en aller discretos et on va finir cette mission en assassin invisible. Alors attendez, je mets mes lunettes de vision nocturne parce que je suis complètement miro dans le noir. Voilà, alors on court un peu, voilà, on va pas courir devant le monsieur là-bas. Ah bah, la porte est restée ouverte derrière lui, c'est parfait. J'aurais pu couper pour vous mettre directement à l'exil, mais non. Ça va se laisser le suspense, est-ce que ça va passer? Ça a passé, c'est pas grave. Alors on va partir. Oula, 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 attendez, je suis pas. Voilà, on va partir dans les cuisines. On retire ça. Voilà, je vais passer là, comme dans l'épisode avec où je vais sauver mes lignes là. Hop, je vais passer par là, voilà. On voit bien les corps alignés là, avec encore la limousine fumante. Alors j'espère qu'il n'y a pas un bug avec lui qui est mort, hein, le chauffeur que j'ai endormi. Parce que des fois il se peut que. Non, ils mettent qu'il n'est pas mort alors qu'il est mort. Parce qu'il est tombé de haut. Mais bon, normalement ça devrait passer. Alors voyons voir, est-ce que la vengeance a fonctionné? Oui, la vengeance a fonctionné, j'ai gagné un K74 avec silencieux. Oh, mais quoi de faire plus. Oh, mais quoi de me faire plus plaisir que ça. Mais merci, mon Dieu. Oh, il y a eu une petite agression parce que j'ai fait deux coups à la tête, mais... oui, bien, les coups à la tête. Bon, c'est parfait, ben voilà, ma vengeance a été faite. Vous avez pu voir, j'ai enfin un assassin invisible. Et on se retrouve pour une prochaine vengeance. Oui, mesdames et messieurs, une prochaine vengeance. Avec le dernier, dans le dernier let's play de la fin du let's play. Où je n'ai pas réussi à avoir un assassin invisible. Mais cette fois-ci, je vais me venger, ça va être beaucoup plus difficile cette fois-ci. Mais je vais réussir à me venger. Alors, on se retrouve pour la prochaine vidéo de la vengeance assassin invisible. Allez, salut, portez-vous bien tout le monde. Je peux vous remontrer la cinématique parce que voilà, j'ai pas.